J'en suis sûr qu'il y a déjà un abonné parmi mes 16 000 abonnés, un truc comme ça, qui a déjà regardé une de mes vidéos aux toilettes. Et ne dites pas non, parce que je ne vous croirai pas. Salut tout le monde, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien les amis. J'ai changé de tenue, comme vous pouvez le constater peut-être, hein, pour ceux qui ont suivi l'épisode 1. Je suis passé en tenue blanche, donc j'ai pu enfin me connecter à Uplay. Donc voilà, j'ai ma petite tenue blanche exclusive pardon, à la version PS4. Donc voilà, on va la tester un petit moment. Il n'y a rien qui change hein, pour les tenues, c'est juste, on va dire, l'effet visuel. J'ai vu qu'il y avait un petit PC là, je sais pas si je peux le hacker. Une rap pirate. Hein. Pas l'impression que je peux le hacker ce petit PC là. En même temps, c'est le mien. Donc ce serait con de se hacker son propre portable. Ouh, il fait jour. Il faut que je me change les idées. Heureusement, la ville est pleine de distractions. Et elles ne peuvent pas m'échapper. Oh. Oh. Un peu moins. Un peu moins bien. Bon. Sortez de votre chambre, ok, c'est fait. Utilisez le profiler sur les passants dans le périmètre de la planque pour détecter les criminels potentiels. D'accord. En gros, on va faire un petit peu le Batman du jeu. On va essayer d'éliminer les possibles, on va dire, les possibles. Comment vous expliquer? Les possibles criminels. Merci le CTOS. Une petite brèche dans leur logiciel de reconnaissance faciale. Et voilà, j'ai accès aux données personnelles de tout le monde. Oh. Oh, oh, oh. Attendez, c'est quoi ce truc? Je peux virer de l'argent là? J'ai pas bien lu en fait. J'ai pas bien lu le délire. Donc là, je peux. Distributeur, d'accord. Il y a que sur les distributeurs. Je peux pas vider l'argent des gens directement sur eux. Ça, c'est un peu triste. Enfin, quoique. Livreur de pizza. De journaux. Pourquoi de pizza? Ah, casier judiciaire pour fraude fiscale. Il y en a un. Hop, là, je te pirate. Ok. Connexion établie. Il est bizarre lui. Cet homme est bizarre. Ce mec a l'air violent. Il faut pas le laisser s'en prendre à quelqu'un. Je vais le retrouver. Un mouchard sur son appel et je le tiens. Voilà. Je place un petit mouchard sur son appel. On va. Mais on va tout d'abord descendre, hein. On va se barrer. Non, maman. Je vous écoute. Vous allez envoyer la liste de clients au contact que je vous ai donné. Ensuite, on l'analysera, on la fera suivre et on verra si c'est suffisant pour l'accuser. Et si c'est le cas? Vous recevrez la somme prévue. Faites-nous confiance, on travaille pour le gouvernement. Ah ouais? C'est marrant, elle aussi. C'est vraiment con. Allez. Petit distributeur de billets, les amis. Petit piratage en cours. Voilà, j'ai besoin de thunes de toute façon, donc ça c'est pratique. Hein. Plus d'une carte bleue maintenant. On passe directement comme ça. Hein, c'est plus simple. Ma voiture, elle est où? Ah si, on peut pirater directement les gens et puis prendre le compte en banque. Regardez, hop, j'ai piraté le mec. Je pense que je peux maintenant me rendre à l'ATM. Et je peux lui prendre l'argent que j'ai... D'accord, ça pète ça, ouais. Ça fait de moi quand même un bandit, hein, tout ça, les amis. Hein. C'est pas tout, mais. On peut faire exploser. Ça, c'est une conduite de gaz, je pense. Un truc comme ça. D'accord. Voilà, j'ai. Tout simplement. Allez, dégagez. C'est quoi comme bagnole, les amis? Vous pensez. Petite Honda Civic. On dirait une petite Honda Civic. Allez, c'est parti. On va voir où nous mène le petit carré, ou plutôt voilà. Le petit triangle, pardon. Il est dans cette zone. Faut que je fasse attention, ne pas me faire repérer. Et laisser le profiler faire son travail. Donc vous connaissez le Hoxor bourrin de Sif, par exemple. Là, on va essayer de faire le Hoxor un peu plus discret quand même sur Watchdog. Donc,
lorsqu'un criminel potentiel est détecté par le CTOS. Rendez-vous dans le point 1. Utilisez le profiler pour identifier une victime ou un criminel potentiel. Ne vous faites pas repérer. Attendez l'alarme du CTOS en intervenir. Votre réputation augmente davantage si vous neutralisez un criminel sans le tuer. Ok. Bon. Et ben on va y aller tranquille. On va y aller en mode, je suis un simple touriste, hein, finalement, dans la ville de Chicago. Dans l'Illinois. Oui, rappeux. On va écouter. Ah, il rappe bien, hein. Il a un bon petit flow le mec là. Ok. Adore le vélo montagne. C'est bizarre les gens comme ça quand même. D'accord. On écoute toutes les conversations. Enfin, dès qu'on peut écouter une voix, on l'écoute, les amis. Bon. Il est dans le coin. Reste plus. Le voilà. Sa cible doit être ici. On va regarder ce qui se passe. Ah. Victime potentielle. Hey, on peut discuter. Mais je veux pas en parler avec toi. Tu comprends? C'est fini, fais-toi une raison. T'as tout faux, c'est pas terminé. Je dois l'arrêter maintenant. Je vais crier. Tu vas voir. C'est pas fini. Stop. T'en mêles pas, toi. Oh la merde. Faut que je la rattrape. Faut que je rattrape le mec là. Il va se barrer sinon. Allez, Oxor. Je me trompe de touche, les amis. C'est pas grave. C'est le début du let's play, hein. Il faut que je le fasse un petit peu aux touches. Hey, gros vétas, cet enfoiré, hein. Bon, je vais l'avoir. Hop, voilà. Boum, boum. Je l'ai explosé la tête. Voilà, un de moins. N'embêtera plus personne maintenant. Ok. Donc, elle a quand même un bon petit casier judiciaire. Hein. Et vol, viol, je crois, il avait. Ouais, viol, accusation multiple, fraude bancaire. Et il est déjà libéré sur caution en plus, le mec. Ah, bah, il a tout gagné. Avec moi, il a tout gagné. Prison. C'est comme ça, c'est la vie. Notoriété. C'est pas marqué que j'ai gagné les points de compétence? J'en sais rien. Neutraliser des criminels. Ah, faut que je neutralise des gens avant, je pense, pour gagner des trucs. Là, faut en neutraliser 10. D'accord. En fait, on récupère des trucs de fabrication quand on pirate les gens, comme ça j'ai l'impression. Ah, téléphone. Nikki, oui, je sais, la fête a commencé. Elle est presque finie. Où est-ce que t'es? Là, je suis sur la route. Oh, mais tu le fais exprès. Tu sais à quel point c'est important pour Jackson. Dépêche-toi, on a envie de te voir. Oui, moi aussi. Je serai bientôt là. Désolé, Nikki, j'ai un double appel. On se voit bientôt. Cool, tu t'en es tiré. Écoute, si jamais t'as besoin d'une voiture, appelle-moi et je t'arrangerai ça. Des voitures d'occasion? Tu préfères passer par un concessionnaire? Ce mec, je lui pose pas de questions et il me trouve les voitures que je veux, alors si ça t'intéresse. Ok, j'y penserai. Et Maurice, comment il va? Oh, t'inquiète, il est dans une forme olympique. Je vais le déposer à ma petite décharge personnelle. J'ai besoin de lui vivant, Jordi. Ouais, vivant, comme tu veux. T'as pas l'habitude, hein, c'est pour ça. Perso, je l'aurais déjà descendu, mais c'est toi qui paies, et très cher.
Alors tant que tu paies, il reste en vie. Bon, ah, j'ai un délinquant. Ici, juste devant moi. Ah non, déposé de plainte pour harcèlement sexuel. Pauvre mec. Il s'est fait violer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, les amis? J'ai vu qu'on pouvait appeler un véhicule, il me semble. Contrat de fixeur, c'est pas ça. Application multimédia, c'est quoi ça? La grippe est de retour. Il est temps de vous faire vacciner. Heureusement, vous pouvez compter sur le CityOS pour vous simplifier la vie. Véhicule, voilà, c'est ça. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Non mais, vous avez vu le prix des bagnoles, les amis? Ah, elles sont gratuites, celles-là, je crois. Ben, on va gagner un petit peu ce qu'il y a d'autre, quand même. Petit Honda Civic. Petit tout-terrain. Je vais bien prendre celle-là, une petite Golf, là. J'ai l'impression que c'est une petite Golf. Ouais, c'est une Golf, importation allemande. C'est ça? Attendez, je vais pirater le mec là. Tu sais pas où aller la route? Ok, bah ça va être celle-là. Ouais, c'est une petite Golf. Ils font du bruit, hein, les filles. Pourquoi ils sont là? Je vais où, moi? Le mec, il sait pas où aller. Le mec, il sait pas du tout où aller. S'il faut, je l'ai là. Ok. Bah, c'est parti. On va essayer d'y aller tranquillement. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaît, les amis, hein, ce petit let's play sur Watch Dogs. Est-ce une drogue, une forme d'hypnose? Qu'en est-il de cette mode? En tout cas, on peut dire qu'elle fait fureur. Qu'en pensent les passants? Cette drogue est pour l'instant considérée comme parfaitement légale et sans risque. Elle modifie notre perception du monde et peut affecter l'humeur et l'intelligence. Waouh, il s'est garé comme une pute, ouais, lui. Une fois, c'était génial. Est-ce que vous bon, allez, on va essayer de bien conduire quoi, tout de même. Parce qu'en vrai, j'ai le permis quand même, faut le dire. J'ai le permis depuis un sacré moment et là, j'ai pas l'impression de conduire bien, finalement. Cool. Il parle de drogue à la radio comme si c'était tout à fait normal quoi. Vous pensez que c'est sans danger? Mais bien sûr, y a aucun problème. C'est sans danger. Moi, ça m'a aidé à arrêter de fumer. Scientifiquement, rien ne prouve que ce produit est dangereux. Mais il est encore trop tôt pour déterminer les effets secondaires. C'est un peu bizarre hein, ce qui passe à la radio, franchement. Oh, camion blindé! Ouf, oh, les bugs de collision quand dans le jeu, c'est un truc de dingue quand même. Peut-être que les gens utilisent l'application en même temps qu'une autre drogue. C'est ridicule. Les versions les plus populaires ont été développées par la piste performeur de Chicago, M-Pro Rat. C'est le kick top? C'est bien là qu'il faut aller. Ouais. Démarrer la mission. Hop, c'est parti. Je suis pas allé voir Nikki depuis l'enterrement. Est-ce que je suis prêt? Au dernier anniversaire de Jackson, Lena avait chanté en apportant le gâteau. Elle chantait à tue-tête et pas très juste. Aujourd'hui, j'ai peur du silence. Et ouais. Quand il y a quelqu'un qui meurt, hein, c'est comme ça. Eh ben dis donc. Il est au courant lui. Allez, c'est parti. Petite fête les amis, petite fiesta. J'espère que ça va bien se passer. Range le téléphone. Range le téléphone d'abord. On sort le téléphone. What the fuck? Non, range le téléphone. C'est pas vraiment un accoutrement pour un anniversaire pour les petits enfants. T'as quel âge aujourd'hui? 10 ans. Non, je pense plutôt que t'as 9 ans. J'ai 10 ans. 9. 10. 9. 10. Bon, alors dans ce cas, ça fait 10 guillis d'anniversaire. Et... Un, arrête, deux, trois, maman. 4, 5, non, 6, maman. 7, 8, 10. 9. 10. 10. Attends-moi une seconde. Ok.
Donc ça fait une année complète et... Et je suis en retard. Je sais, désolé, Nikki. Vraiment. Approche. Laisse-moi te regarder un peu. T'as pris un coup de vieux. Oh, sympa. Merci bien. C'est son premier anniversaire, Saint-Léna. Comment il va? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Yolanda dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Yolanda? Sa psychologue. Elle l'aide beaucoup. Ça marche, tu sais. Mais c'est long. C'est pas facile, mais on progresse. Jackson? Jackson. Désolé pour le retard. Tu me fais un câlin? Oh. T'es... grand. Alors, t'as eu quoi? Ah, le soigneur. Cool. Tu lui as offert un vrai jouet cette fois. Si t'allais jouer un peu dans ta chambre, je dois parler à ton oncle. Je te rejoins dans une seconde, Lana. C'est vraiment important que tu sois là. Mais je veux être sûre que les choses ont changé. Les choses ont changé. Toi et Jackson, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Compte sur moi, je serai toujours là pour vous. Toujours à jouer les grands frères. Y a pas un truc qui vous choque? Sincèrement. La dernière fois que j'étais là, c'était pour l'anniversaire de Léna. Jackson l'adorait. Je vous laisse réfléchir. Mais il n'y a rien qui vous choque. Vous êtes sûr? Il n'a pas apporté de cadeau. Il va à l'anniversaire de son neveu. Il n'apporte pas de cadeau. Quel est ce mec? Sincèrement, c'est inhumain. T'as raté le meilleur. Les enfants ont joué au justicier. Ils imitaient ce type là qui passe tout le temps aux infos. Laisse-moi deviner. Jackson était le justicier? Ils étaient tous le justicier. C'était moi la seule méchante. Et tu sais comme je peux être méchante. J'ai bien résisté. J'aurais dû venir plus tôt. Je les aurais prévenus. Faut pas chercher d'ennui à ma sœur. Tu te souviens quand toi et maman vous étiez super malades et que papa voulait que tu manges ton gâteau d'anniversaire? Résultat, t'as vomi un truc violet sur la table du salon. Bah voilà, c'était ça, papa. Pas le mec le plus sympa du monde, mais toujours là pour sa famille. Bon, je vais arrêter de radoter, moi. Ah, téléphone. C'est moi qui ai téléphone, non, c'est... Ah, vraiment? Non, non, continuez. Allez-y. Faut pas espionner? Non. Bon, qui est à l'appareil? Ah. Un numéro masqué, ça se retrouve, vous savez. Numéro masqué, attendez, je vais essayer de la retrouver si je peux. Je sais pas trop ce qui vous amuse, mais je suis pas sûre que la police trouve ça très drôle. Je peux pas le choper, ce numéro, là? Laissez-moi vous donner un bon conseil. Vous êtes prêts? Sortez de chez vous, achetez-vous une vie, faites des trucs et arrêtez de m'appeler. Bon. Répétez un peu pour voir. Il se passe rien. Je préviens, la police peut identifier l'appel. Moi, je peux identifier l'appel. En tout cas. Tu sais où tu vis. Tu crois vraiment que tes serrures sont solides? Qui est à l'appareil? Dites-moi ce que vous voulez. Tu te sens en sécurité, Nikki? Eh ben, Yank. C'était qui, ça? C'est rien. C'est juste une blague. Ça arrive.
c'est assez solide, d'après toi? Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix? Bon, Aiden, ça va, là. C'est bon. C'est bon. Apparemment, il pense pouvoir entrer chez toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok? On se passera de ton aide. Nikki, je peux retrouver ce mec. Aiden, putain, en fait, t'as pas changé, hein. On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires, parce qu'à chaque fois que tu t'en mêles, après, c'est encore pire. Vaut mieux que j'y aille. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Bon. Un adulte qui fait des blagues au téléphone. Je vais t'en faire une de blague quand je t'aurai retrouvé, toi. On va essayer de le pécho, ce mec, hein. Qui essaie de faire peur à notre sœur. Voilà. Comment ça pète quand même? Merde. Moi je kifferais. Il est en mouvement. Je sais pas vous, moi j'adorerais pouvoir pirater comme ça les téléphones portables des gens et tout. Enfin vraiment pouvoir être un putain de. Moi j'avais peur. Putain de hacker en fait. Ça sera un truc de dingue. Mais tu sais, faire le hacker gentil, tu vois pas. Pas de trucs de bouffon, un truc comme ça quoi. On va essayer de le péter. Là, il s'est fait bien avoir quand même. Oh, il accélère. On va essayer de l'avoir, n'inquiétez pas. Auxor, il est là, Auxor est présent. Auxor, il est dans la place. Et il cherche des ennuis, je crois. Ok, waouh, waouh, waouh. Ouais. Désolé, je me suis un peu emballé tout à l'heure. Et tu me rends vraiment dingue des fois. Ah, reviens, d'accord? Resterai calme. Aiden. Waouh, waouh, waouh. T'es à la recherche de l'autre cinglé, c'est ça? Eh ben... T'es en train de le poursuivre, là? Oh, j'hallucine. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois, non. Arrête de jouer au héros, Aiden. Laisse-moi. Ouf. Laisse quoi? Écoute, je t'entends mal, là, j'ai pas de réseau. Non, je sais très bien que tu m'entends. Arrête-toi, je te dis. Allô? Allô? T'es toujours là, j'entends rien. Bon, allez, au revoir. Oh. Alors, marché conclu? Ouais, c'est bon, j'arrive pas à croire que tu sois prêt à payer autant pour un coup de fil. Nicky Pierce, c'est ça? Je parlerai de sa serrure, comme tu m'as dit. Et de son fils. Mais son deck, c'est cloque. Exactement. Oh là 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 là, c'est pire que ce qu'on s'y attendait. Quelqu'un a payé cet enfoiré pour harceler Nicky. Qui serait prêt à payer pour un truc pareil? Un connard, tout simplement. Hey, y a du progrès avec DeadSec? J'ai besoin d'accéder au site iOS. Oui, c'est en cours. Il vérifie ton dossier. Donne-moi un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel? Comment je pourrais refuser ça à mon meilleur client? Bon, il s'agit de quoi en fait? Un type qui vient de menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part dans le quartier du Loop. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok, donc si j'arrive à pirater le site iOS une fois dans le Loop... Moi, je pourrais remonter jusqu'à la source de l'appel. D'accord. Bloom construit un nouveau centre au CityOS dans le Loop. Ça tombe bien. DeadSec a lancé une attaque dessus le mois dernier, mais on a raté notre coup. Depuis, la sécurité a été renforcée. Ça va pas être facile. Alors fais attention. Tu me fais penser à ma sœur. Détends-toi. Je ferai en sorte d'être armé jusqu'aux dents. Il rigole pas. Il rigole pas, le petit Aiden. Allez, on va se pirater un petit distributeur, parce que ça fait toujours plaisir. Récupérer un petit peu d'argent comme ça. Putain, j'étais surpris que la voiture ait explosé par contre, hein. Je sais pas vous, mais moi ça m'a surpris. Attendez, arbre de compétence. On a un petit point de compétence à craquer, on va direct le mettre. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai désactivé sa voiture, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Je regarde ça dans la vidéo, parce que vraiment, je sais pas ce qui s'est passé du tout. On va remettre. On va garder les points de compétence. Bloom engage des mercenaires pour surveiller les centres CityOS. Ces types sont bien équipés et parés au combat. Mais moi aussi. Ma voiture. Est-ce qu'elle est encore en vie, ma voiture? Parce que celle-là. Non. Pas trop, on va dire. Elle est pas trop en vie. En tout cas, ça fait du dégât, regardez ça. L'abribus, il a pété, il n'y a plus rien qui a envie. Allez, hop, le pont.
Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Sauf que ça n'a pas marché. J'ai toujours rêvé de sauter au-dessus d'un pont qui se lève. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Allez. On se gare à la wall again. C'est parti. Si le CTOS renforce la sécurité, je dois renforcer mon armement. Ouais, mais c'est pas cool les armes. Moi, je suis contre. Moi, je suis contre les fusils. J'ai pas tué les gens. Je peux vous aider ? Acheter un fusil d'assaut. Vous trouvez ce qu'il vous faut ? C'est cher. C'est pas grave. On achète. Ces dernières semaines, les centres CTOS de Chicago... Attendez, est-ce qu'on peut couper la radio à tout hasard ? Suite à une série d'attaques menées par le groupe DedSec. Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. Est-ce la sécurité des citoyens est primordiale. Radios. Chaque centre de contrôle CTOS a donc été doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. Est-ce qu'on peut couper les radios ? C'est une question que je me pose, vraiment. Certains sont devenus mercenaires. Certains ont un casier. Vous confirmez ? En effet, ils ont... Voilà. Couper la radio. Ma voiture. Ma voiture, elle est ici. Un peu foutue, mais... Ça reste ma voiture. Merde. Ah, attendez, j'ai un petit truc à faire, là. Une petite mission. On va aller la faire tranquillement. Il a arrêté un mec qui se prend un petit peu pour un justicier, je crois. Enfin, je pense pour qui se prend, mais on va aller l'arrêter. On fera la mission après. Cela fait maintenant un an que le réseau CityOS, le programme de ville intelligente de Chicago, a été mis en place. Et la réception... En fait, la radio s'arrête jamais, je crois. Très positive. Nous avons interrogé plusieurs... C'est une question que je me pose, mais... Voici leur témoignage. C'est peut-être bien le cas, elle s'arrête jamais, la radio. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement, ça commence à être un petit peu pénible d'avoir une radio tout le temps dans les oreilles. Toujours où je suis, et qui me disent des tas de trucs en temps réel, s'il y a des bouchons, tout ça. Il me dit même où je peux trouver des places de libre pour me garer, et compare les prix aussi. C'est trop cool ça, pas vrai? J'ai pas vraiment fait gaffe, mais ils me surveillent en fait, non? En tout cas, moi, le CTOS, ouais, ils nous surveillent, je crois. C'est pas un truc pour beurrer les sandwichs, généralement. De santé, ça me permet de me connecter au système, et de consulter les listes d'attente. Hop. Allez, un petit contrat de fixeur. Je sais pas c'est quoi le contrat de fixeur. Le contrat est clair. Faut que je trouve ces types et que je les élimine avant qu'ils s'échappent. D'accord. D'accord. Très bien. Éliminer. Comment ? Les tuer ? Moi je rentre là-dedans. C'est pas mal. Un peu rouillé quand même. Oh là là. C'est beau la voiture ? J'aime bien le bruit qu'elle fait en tout cas. Je suis fan. Ok. C'est en voiture aussi. Bah moi aussi je suis en voiture, ça tombe bien. Puis j'ai une petite bagnole qui va bien vite là. Oh god damn. Allez, c'est parti. On va essayer de lui courir après. Viens là, toi. Viens là, toi, que je t'attrape. Et hop, voilà. Boum, boum. Terminé, un rideau. Ah, mais la voiture, elle explose à chaque fois, en fait. C'est un truc de dingue. Affiche le classement. En fait, on a un temps. On est classé et tout. Ça, c'est pas mal, par contre. Oula, je suis très loin. Le mec, il avait 22 secondes pour arrêter. Waouh, c'est un truc de ouf. C'est vraiment des ouf, les mecs. Ok. C'était un quoi, la vie avec sa mère, c'est un receleur, d'accord. Tout simplement. Eh ben, c'est bien. On a arrêté un mec qui était méchant. Est-ce que moi, je peux pirater un petit truc, là, pour me faire un peu d'argent de poche? Ah non, il est cassé, l'ATM. Eh ben tant pis, on va aller prendre la voiture et on va continuer la mission. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce mec là? Qu'est-ce que c'est que ce mec là? Attendez, je vais l'arrêter.
Il veut quoi, lui? Viens par là. Cours vite. Pornographe infantile. Oh, bah, lui, j'arrête, lui. Direct. Direct. Ah, j'ai envie de lui tirer dans les pattes. Tant pis. Voilà. Bon, ben... Il a sauté sur une canalisation, tout simplement. Ah, ah, chat. Impossible de me retenir, tu sais. Je déconne pas. J'essayais de pas faire de bruit, mais j'ose pas imaginer la tronche que j'ai dû faire. Après, elle m'a dit que j'étais juste... J'envoie les flics. D'accord, père d'accueil. Truc comme ça. Bon. Putain, je voulais pas le tuer, mais tant pis. Hein. En même temps, il fait de la pornographie infantile. Ces mecs-là, on leur coupe les couilles ou on les tue. Hein, c'est pareil. Allez, c'est parti, on va chercher le véhicule. En tout cas, ça marche très bien, les petits explosifs, là. Faut pas marcher dessus, hein, sinon, boum. Hein. Le mec, il a fait un vol plané de plusieurs centaines de mètres en hauteur. Non, je déconne un peu, mais bon. C'est pour dire un petit peu ce qui s'est passé, quand même. Oh là là, j'ai failli écraser un mec. Bon, et ben, on est parti, les amis. On va continuer la mission principale. On va filtrer le truc du CityOS, je crois, un délire dans ce genre. Waouh! Ah, les bugs de collision, ils sont infâmes. Vraiment infâmes, les amis, je vous... Bon, je vais faire un petit débrief pendant qu'on est sur la route sur ce jeu, au moins c'est fait. Il est pas vraiment aussi beau qu'on aurait pu l'espérer. Hein. Franchement, pour moi, c'est pas le plus beau jeu de la Next Gen. Loin de là, mais vraiment loin de là. Il y a beaucoup de bugs de collision. Le hacking, pour l'instant, je le trouve bien, mais je le trouve un petit peu gadget, on va dire. Pas vraiment le hacking auquel je m'attendais vraiment. Moi, je m'attendais vraiment à un truc vachement poussé. Ok, c'est marrant. C'est super marrant, le hacking, etc., etc. Sauf que je pense que j'en attendais un peu plus, finalement. Donc, bon, je veux pas dire que je suis déçu de Watch Dogs. Hein. Je pense que, de toute façon, les jeux de cette gêne, pour l'instant, faut pas s'attendre à des miracles. C'est que le début. Donc, pour l'instant, faut prendre notre mal en patience, je pense. Et on verra ce qu'il viendra. Il viendra que pourra, hein, comme on dit. Mais ouais, pour l'instant, franchement, rien que niveau graphisme, niveau aliasing, etc., c'est blindé, je trouve. Il y a pas mal. Et ouais, c'est pas non plus super beau, ça manque de finesse. Voilà. C'est un peu mon avis sur le jeu. Après, je le trouve bien, hein, je le trouve sympathique. L'histoire pour l'instant me plaît, je pense que c'est le principal dans un jeu comme ça. Même si j'ai entendu dire que l'histoire est un petit peu décousue par moment. Mais bon. Bon, voilà. Le CityOS, il est là. Leur sécurité va être dure à passer. Mais j'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. À qui appartient la voix de l'appel téléphonique. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il me faut une autre caméra, voilà. Ici. Qui c'est lui? Il a quoi lui? Ils vont venir. Mais bien, il se passe quoi là? Il ouvre tout. Bon, il n'y a pas d'autre caméra? Si, il y a une caméra là. Ok. Notre caméra là-bas. Bon, je trouve le mec qui a les clés de la sécurité. Ah, c'est lui. Non? Ah, c'est super, il a une caméra le mec, je peux carrément l'utiliser. Pas mal, c'est bien pensé. Oh merde, je me suis échappé. On va recommencer. Hop. Une autre caméra, hop. Il nous faut une autre caméra. Il y a une caméra là-bas. Une caméra là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il fait appel au renfort, d'accord. C'est un enfoiré quoi, en gros.
Il écoute de la musique rock. Ouais, pour l'instant, je trouve personne qui a les codes d'accès. Il y a une caméra là-bas au fond. Ah, attendez, il y a plusieurs gars là. Jeune marié, récemment interrogé par la police. Qu'est-ce qu'il a à nous cacher celui-là en gros? Pour l'instant, je vois aucun garde qui a potentiellement les codes. Piraté. C'est quoi ça? Petit téléphone? Où est le garde qui a les fucking codes? Si vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que c'est pas possible, mais bon. Des prosté bitch là, ok. J'ai toutes les caméras, je n'arrive même pas à retomber sur le mec. Je ne vois pas de mec avec un code. Est-ce qu'il faut s'approcher d'eux pour regarder un peu plus? Attendez, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, qu'est-ce que c'est? Ils sont pas très copains, j'ai l'impression, avec les flics, les membres de la CTOS. Est-ce que je me trompe? J'ai une caméra sur lui. Mais je pense pas que ce soit le mec à la caméra. Je pense plus que c'est un mec comme lui là, un mec. Non, non, lui le. Peine de prison, non, c'est pas la peine, c'est pas un... Je pense pas qu'ils ont foutu un mec comme lui avec les codes. Bon, pour l'instant je trouve rien les amis, hein. Je suis désolé. C'est comme ça, c'est un petit peu, on va dire. Le hacking, hein, parfois, n'est pas forcément la meilleure solution, j'ai l'impression. Petite caméra, hop. Je vois personne. Sincèrement, je vois personne. Pour l'instant. Oh là là. Je l'ai fait flipper sa mère, allez. Je suis mis sur sa caméra pour voir. Le problème c'est que... Ah, il peut nous promener comme ça, c'est bien. On peut peut-être aller à un endroit qu'on n'est pas encore allé avec lui. Ah, c'est bon, je l'ai chopé. C'est lui qui l'avait. Voilà, j'ai chopé les codes. Parfait. Voilà, j'ai les codes. Nickel. Je vais aller au serveur maintenant, tranquillou. Non, merde. Vite, une caméra. Ouais, il a qui ce portable là, qui sonne là? Pas de téléphone portable au boulot. Nom de Dieu. Enfin, je me perds un petit peu avec toutes les caméras qu'il y a. Franchement, c'est un peu la... C'est un peu la hesse, comme dirait mon grand-père en 1714. C'est un petit peu la merde. En fait, il faudrait que j'aille là-bas. Il faudrait que j'aille là-bas. Le problème, c'est qu'il y a un motherfucking mur qui me gêne. Yeah.
Allez, allez, allez. Parfait. Voilà, nickel. Intrusion. Ah, je suis pas porté. Oh, c'est bon. C'est quoi ça? Ah, d'accord, c'est un sort de petit. Petit pare-feu. Voilà, parfait. Ouais, c'est facile, hein. Franchement, y a pas à chier dans le pâté. C'est simple. Hop, voilà. J'aime bien ces petits jeux comme ça. Oh, j'ai été détecté par la faille. Ça me fait penser un petit peu à 2X. Ce qu'on fait le jeu de 2X. Très très bon jeu, hein. D'ailleurs je vous le conseille. Un petit peu de piratage aussi. Je regarde la vidéo, hein, vous écoutez pas. Il est fou lui. Faudrait l'arrêter lui, tiens. C'était quoi ce truc? C'était carrément chez quelqu'un. Mais ouais, on espionne tout en fait. Le CityOS fouine dans les vies privées. Ah, je comprends maintenant pourquoi DeadSec déteste le CityOS. D'accord, même en jouant à la console quoi. Ah non, c'est un petit hélicoptère j'ai l'impression. Ah ouais, c'est un truc de dingue quoi. Ça contrôle vraiment tout. Ça scanne en plus. À l'ingré, à l'insu de n'importe qui finalement. What the fuck, c'était marqué. Sympathique. Donc je regarde tout, moi je suis un curieux de naissance donc veuillez m'excuser, hein. C'est comme ça. Ça, c'est un groupe pornographe ça. C'est un groupe pervers ça. Je déteste ça en plus, les pervers. CityOS? Déjà? Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi, tu as ton accès, et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone. Je crois que ça pourra m'être utile. Garde un œil sur le trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. J'ai fait pas mal de bruit là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Je te tiens au courant. Quitter la zone, ouais, ça serait pas mal, je pense. Quitter la zone, je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me dit bien. À mon avis, ils sont pas très contents les mecs du CityOS là. S'ils ont su qu'il y a eu une intrusion dans leur système, ils ont pas de copains. Bon, j'ai piraté. Il y a un petit ATM, tiens, je vais en profiter pour tirer un peu d'argent. J'ai besoin d'un peu de liquide. Un téléphone. On décroche. Hey, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends, je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé, donc ce que je demande... Ok, ok, c'est bon. Je m'en occupe. Non, mais je voudrais pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi, exactement?
escorter un type, c'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie le prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. Bon, il est très fort quand même, lui, pour avoir des... pour solliciter notre aide, on va dire. Il est vraiment très fort, hein. Il sait s'y prendre. Bon, allez. On va rentrer dans le véhicule. Appuyons pour cacher le véhicule. Cacher. Ah, se cacher dans le véhicule, d'accord, ok. Pourquoi se cacher? Dégage! Allez! Oh, elle est pas mal celle-là. Oh, c'est une Rolls! On dirait que c'est une Rolls. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. On fera la petite course une prochaine fois, je pense. Hein. Je pense qu'on aura le temps. Et ouais, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu, les amis, cette vidéo sur Watch Dogs, épisode numéro 2 de notre Let's Play. On se retrouve très vite. Ne vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, je pense que je vais me tourner une deuxième vidéo là, tout de suite. Comme ça, au moins, on sera dans le moment. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.